suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Ça faisait un petit moment sur ma chaîne et vous allez le voir, au final il n'y a pas énormément de nouveautés puisque la plupart des ouvrages je vous les avais déjà présentés lors d'un vlog, mais je sais que pas tout le monde regarde les vlogs et du coup je trouvais ça cool de vous les regrouper un petit peu tous ensemble dans un book haul. Mais en revanche j'ai commandé une belle commande hein, de manga chez AFK Manga, ben là durant le confinement. AFK Manga qui est une boutique spécialisée dans les mangas, une librairie indépendante spécialisée dans le manga qui se situe à Nice, en plein cœur de Nice, et qui est trop génial, vraiment trop génial. Moi dans mon entourage là, encore s'il n'y a pas de librairie spécialisée dans le manga, j'aurais bien aimé leur faire confiance à eux et acheter vraiment local chez moi, mais écoutez, Nice étant la ville de ma sœur, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette boutique qui est pas non plus très vieille puisque je crois qu'elle a récemment fêté ses 1 an il me semble, enfin quelque chose du genre. C'est une librairie indépendante qui est assez jeune et qui mérite d'être poussée et mise en avant et voilà, et d'être soutenue. Moi j'avais vraiment adoré. Et j'ai donc reçu ma belle commande de manga ici. Je vais donc vous présenter tout ça. Alors premièrement j'ai craqué pour la nouveauté de chez Akata. Ouais, c'est bien ça, de chez Akata, donc de Jin Toriko. Il s'agit de Nos temps contraires, Je ne te laisserai pas mourir. C'est le premier tome donc qui est sorti très récemment et j'en sais pas grand chose à part que c'est un univers apparemment assez complexe et que c'était un shoujo SF, donc ça m'intrigue vraiment de fou parce que vous savez que moi je suis pas une très grande lectrice de shoujo et il y a beaucoup de choses qui m'agacent, même si je ne critique absolument pas, je crache pas du tout sur le genre, c'est juste que je pense que c'est pas trop fait pour moi, à part certains effectivement, mais là du coup ça m'intrigue trop parce que ça se passe dans l'espace, ça a l'air très complexe et les dessins sont carrément très jolis, assez enfantins, et en même temps je pense que ça dénote un petit peu avec les propos qui ont l'air plutôt adulte et plutôt mature, donc écoutez, je suis très intriguée, j'attends de me lancer dedans avec impatience, surtout Majoun en a trop bien parlé, Cornelius en a parlé très récemment là, une fois que je l'avais reçu, donc j'étais contente de voir que les avis sont bons et j'ai très hâte de me lancer dedans. Ensuite, j'ai enfin commandé et craqué pour le premier tome de Minuscule aux éditions Komiku. Voilà, c'était une des sagas de Komiku que je n'avais pas encore lu, qui me faisait le plus de l'œil, le plus envie. Je sais que c'est absolument tout ce que je peux aimer d'un manga. Vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui est tranche de vie, tout ce qui est assez mignon avec des dessins très travaillés. Là c'est absolument tout ce qu'on y retrouve. Je veux dire, de suivre un peuple qui mesure 9 cm dans leur forêt, avec des petites tranches de vie, leurs petites actions, j'ai juste trop hâte. Je suis sûre que ça va être un coup de cœur quasiment. Donc voilà, je crois que c'est une saga toujours en cours avec 7 tomes sortis. Donc écoutez, ça y est, je me lance. Ça y est, toujours chez Komiku, une maison d'édition que j'adore, hein, je pense que c'est ma préférée. J'ai craqué pour Les Fleurs de la Mer Égée de Akame Inoshita, qui me faisait trop envie. Regardez la beauté. Voilà, là ça va être une saga plutôt où on va parler de voyage, hein, clairement, puisqu'on suit ces deux jeunes dames. Ça se passe au 15e siècle en Italie. Et voilà, on suit la jeune Elisa qui rêve de voyager à travers le monde, jusqu'au jour où elle va faire une rencontre qui va lui permettre effectivement d'embarquer dans une aventure un petit peu folle. Donc j'ai juste trop hâte, il paraît que c'est très immersif et que le mangaka fait vraiment un travail d'approfondissement sur des villes d'Italie, des ambiances et tout. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger, je pense que ça va beaucoup me plaire. Et il n'y a pas beaucoup de tomes sortis, je crois qu'ils sortent un petit peu au goutte à goutte. Donc voilà, j'espère aimer et puis attendre avec impatience chaque tome qui sortira par la suite. Donc celui-là, Komiku encore, mon dieu, qu'est-ce que j'aime ces éditions. J'ai commandé la suite de Alpi, Soul Thunder, dont je vous parlais dans mon dernier vlog 7 jours, 7 mangas, si vous l'avez vu. N'hésitez pas à le regarder, je vous donne mon avis sur le premier tome. Donc j'étais très curieuse de découvrir la suite. C'est un univers que j'ai bien aimé, malgré le fait qu'il soit pas trop poussé. J'avais hâte de lire la suite, donc voilà, il est paru tout fraîchement début novembre, donc le voici maintenant dans ma pile à lire. Je suis contente parce qu'avec ce challenge 7 jours 7 mangas, j'ai quand même écoulé pas mal de mangas que j'avais dans ma pile à lire et je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 là à l'heure où je vous parle. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le plein tout en soutenant une librairie que j'apprécie, c'est plutôt pas mal. Ensuite, toujours là, on passe chez Kiun qui est aussi une maison d'édition que j'adore. J'ai craqué pour leur petite nouveauté qui a l'air
ultra kawaii. C'est le renard et le petit tanuki. Donc là, c'est plutôt un manga fantasy animalière, une fable animalière où les personnages principaux sont des animaux. Donc voilà, c'est assez rigolo puisque le format se prête comme ça pour vous le montrer. Et j'ai trop hâte, hein. Il paraît que c'est tout chou, tout mignon. Je pense que ça va beaucoup me plaire et je fais confiance aux éditions Kiun de manière générale, donc trop hâte. Ensuite, je me suis procuré le tome 3 de Tempête de Cristal. Je vous en parle également dans le dernier vlog 7 jours 7 manga où j'ai lu le 1 et le 2. Je trouve que c'est une saga avec un univers très original qui se suffit à lui-même et qui n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour sortir du lot. Même si c'est pas un coup de cœur, j'avais très hâte de savoir la suite de cette histoire. Et là, c'est le tome 3 et le dernier tome, donc c'est plutôt cool. Je vais pouvoir terminer cette saga et avoir un avis définitif dessus. Et voilà, donc c'est une saga que j'aime bien, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, donc je suis trop contente, c'est Komiku également. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 2 et 3 de Ajin. J'ai enfin trouvé le tome 2. Si vous aviez suivi mes aventures, je le cherchais désespérément, que ce soit en occasion ou en neuf. Et j'avais fait plein de librairies et tout, et il manquait toujours le 2. Ça commençait à partir du 3. Donc écoutez, là c'est 2 et 3. Je vais pouvoir un petit peu avancer dans la saga Ajin, que j'avais adoré le premier tome. Et ceux-là, donc la librairie m'avait bien prévenu qu'ils étaient d'occasion, est-ce que ça me dérangeait ou pas. Et ils sont donc à 4€ pièce, je trouve ça vraiment super intéressant. Et ils sont en parfait état, franchement, si on me dit que c'est du neuf, je le crois. Donc trop trop bien. Je suis absolument contente de pouvoir continuer cette saga, parce qu'il y a quand même pas mal de tomes, je suis beaucoup en retard, et j'avais adoré le 1, donc trop bien. Et enfin, j'ai craqué pour un grand format, une petite merveille, il est absolument magnifique. C'est les éditions Glénat et il s'appelle Jizo. Voilà, il est juste magnifique. Regardez, de toute manière, je vous ferai des inserts comme d'habitude pour les graphiques. C'est de Mato et Monsieur Tan et waouh, voilà, rien que bon, graphiquement, c'est tout ce que j'aime, hein. Je vous montre là en même temps du coup en close-up et c'est vrai que c'est très très beau. Ça a l'air d'être une histoire onirique. Je veux pas trop en savoir, j'ai lu une fois le résumé, vous voyez, mais là j'ai pas trop envie de le relire, et voilà, c'est un manga qui est sorti très récemment également, que j'avais trop envie de découvrir, donc le voici dans ma page, j'espère que ça me plaira énormément. J'adore les grands formats manga, mais vraiment j'adore ça, que ce soit des one-shots ou des sagas, j'aime trop le grand format de manga, c'est trop agréable je trouve, et ça met en valeur tous les dessins, enfin c'est sublime, je trouve que c'est un régal et un confort de lecture incroyable pour les mangas. Je passe maintenant à la partie que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà si vous aviez vu mes dernières vidéos et notamment mes vlogs. Je m'étais donc procuré la petite faiseuse de livres que j'ai lu depuis du coup dans ma dernière vidéo et que j'ai juste adoré, donc je vous renvoie vers celle-ci pour avoir mon avis. On y suit la petite Main qui est une jeune femme qui se fait carrément écraser et qui décède sous une pile de livres et qui va se réincarner et réintégrer le corps d'une petite fille dans un monde qu'elle ne connaît pas et où la littérature est absente. Je m'étais donc procuré le tome 2 de Tempête de Cristal, donc ça va avec, c'est pour ça que j'ai pris le troisième. Je m'étais également aussi procuré Blue Flag, que j'ai lu et que j'ai adoré, je vous en dis pas plus parce que Blue Flag est une saga dont on entend beaucoup beaucoup parler. Je peux juste vous dire que j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer la suite d'un seul coup. J'ai pas envie d'être frustrée et de ne pas avoir la suite à proximité, donc je pense que je vais attendre un petit peu et que je vais essayer de me procurer tous les tomes sortis de suite. Ensuite, je me suis procuré le dernier Mathias Madjeu, bien évidemment, vous connaissez mon amour pour cet auteur, j'ai lu toutes ses parutions à part le dernier, j'attends qu'il sorte en poche, en fait, Une sirène à Paris, et je l'ai toujours pas lu, mais voilà, il a créé ce livre-ci donc avec sa compagne Daria Nelson, qui s'est occupée plutôt de la partie graphique, puisque c'est un livre qui va être illustré de plein de petits collages de réalisations donc faites par sa compagne, et c'est juste incroyable, je l'ai lu, je vous en dis des nouvelles dans une de mes dernières vidéos, donc n'hésitez pas, je l'aime beaucoup trop. Ensuite, j'avais acheté ce livre-ci, Le bonheur est un papillon, de Marie-Lise Trécourt, qui est chez Erol, j'aime beaucoup les éditions Erol, et franchement j'ai trop hâte de me plonger dans ce livre-ci. Et là en fait on va y suivre un jeune homme qui va avoir la possibilité, l'opportunité via sa grand-mère défunte qui va lui apparaître et qui va lui proposer une sorte de marché, de pouvoir revivre les 20 dernières années de sa vie,
et de pouvoir ensuite choisir s'il préfère garder ben, la vie qu'il a créée nouvellement ou son ancienne vie, la première vie qu'il a construite. Et je pense que ça va soulever tout plein de thèmes, de sujets. Je pense que ça va être très touchant, poignant, que ça va nous faire réfléchir. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Je trouve que c'est une super bonne idée et ouais, c'est vraiment un livre que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, je me suis acheté donc L'affaire des fées de Cantingley. Donc c'est inspiré de faits réels, c'est de Natasha Henry et c'est chez Rajo. C'est un tout petit livre, hein. Il est pas bien épais mais il est absolument magnifique. Je le trouve trop joli. Il y a un petit vernis sélectif là sur le titre. J'aime beaucoup, puis c'est une histoire vraie, apparemment issue d'un énorme quiproquo, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Ça parle de fées, de jeunesse, de souvenirs, d'enfance, et je pense que ça va beaucoup me plaire. Ensuite, je me suis procuré cette merveille de chez Hachette Roman de Éléonore de Villepoix, La ville sans vent, dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est un roman fantastique, young adulte, adulte, apparemment, de ce que j'ai compris, la limite est assez fine entre les deux univers et ben voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, je souhaitais vraiment le découvrir, il a vraiment une couverture incroyable, hein. faut dire ce qui est, il est magnifique ce bouquin, franchement. Et je vous en dis pas plus parce que je pense qu'on en a énormément parlé et puis le book haul c'est pas non plus l'occasion de faire énormément de résumés, j'aime pas trop ça et je préfère vous en parler en détail quand j'ai lu l'ouvrage, mais franchement j'adore ce livre, il me fait trop envie et je pense qu'il va se prêter parfaitement à l'hiver, donc j'ai trop hâte. Et enfin je m'étais procuré Le Château de Hurle, voilà, de Diana Wynne-Jones, qui est chez Roman Inis, et on remercie les éditions Inis d'avoir republié cet ouvrage qui était quasiment introuvable puisque je l'ai dans ma pile à lire, dans ma wishlist depuis je ne sais combien de temps, et en fait c'était une édition qui était quasiment introuvable, très chère, ou à trouver d'occasion un peu massacrée, enfin voilà, c'était pas évident, et du coup les éditions Inis ont ressorti, et ils comptent ressortir la suite, si elle n'est pas déjà sortie, il me semble. Donc voilà, c'est l'histoire qui a inspiré Le Château Ambulant, un de mes Ghibli préférés, donc je suis très curieuse de découvrir, d'essayer d'établir un parallèle, une comparaison entre le film et le livre, et voir ce qui me plaît le plus. Ce que j'aime ou pas de ce récit au final, et voilà, j'ai très hâte de m'y plonger, et je pense que ça va pas trop tarder. Et bien voilà mes Wappies, tous les livres sont là, je vous ai tout présenté, vous avez vu une bonne partie de graphique, mais vu que c'est vrai que j'ai pas mal écoulé mon petit stock de graphique, ben j'ai opté pour voilà, pour la grosse commande d'un coup, et puis comme ça, ça va me durer un petit moment. Je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces romans que je vous propose ici, et puis surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours dessus, si vous les avez déjà lus, s'ils vous font envie, s'ils sont dans votre wishlist, dans votre pile à lire, voilà, je suis très curieuse de tout ça. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge, vivez à fond, j'ai à tous de gros bisous, ciao tout le monde.